Today, European Regions invites you to discover Wallonia. Wallonia is one of the three regions of the Belgian federal state, situated in the southern part of Belgium. French is spoken, and in the Far East, it's the German language. It shares borders with France, the Grand Duchy of Luxembourg, and Germany. Region of contrasts, combining heritage, culture, nature, and folklore, Wallonia will seduce you with its wonderful sights, delicious local products, and the friendliness of its inhabitants. Since 1986, Namur is the capital of the Walloon region and its 3.5 million inhabitants. The Cité Mauzanne houses the Walloon government and parliament. Situated at the confluence of the Sambre and Meuse, Place du Rougon is located close to the parliament, settled in the former Hospice Saint-Gilles, filled with history and a symbol of democracy today. Its rocky outcrop and its strategic position have been said to acquire 20 seats in 20 centuries. Namur preserved many traces of its military past, its citadel rebuilt by Vauban, but also its surrounding walls, its towers, and its 14th century belfry. La Wallonie, c'est un grand champ de bataille de l'Europe. On s'y est beaucoup battu, mais ça veut dire aussi qu'il y a un grand patrimoine. Patrimoine qui s'offre à la mémoire de chacune et de chacun. Évidemment, la bataille des Ardennes, la guerre 14-18, Waterloo, avec sa bataille qui a orienté le sort de l'Europe, et aussi toute une série d'autres témoignages de notre histoire, depuis le château de Bouillon jusqu'à d'autres sites qui montrent qu'ici, on est vraiment au cœur de l'Europe. June 14, 1815. Napoleon Bonaparte marches into Belgium to face the Allied armies of Wellington and Blücher. On June 18th, he will be defeated in Waterloo, a defeat that will leave its mark on the history of Europe. It was an exceptional and historical intensity. These 4 days were affected by the loss of 100,000 men along this bloody route called Napoleon in Wallonia. Lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe, en 20 jours, il a repris le pouvoir. Toute l'Europe coalisée contre lui fait marcher des armées, soit près d'un million d'hommes pour encercler la France. Il dispose de 120 000 hommes, il ne peut pas battre tout le monde en même temps. Il va donc choisir la Belgique pour frapper deux de ses adversaires principaux, Wellington et Blücher, les Anglais et les Prussiens. Napoléon prend le choix tactique d'envahir la Belgique parce que d'abord il est informé qu'il y a deux corps, ce qu'on appellerait aujourd'hui deux corps expéditionnaires, l'un commandé par Blücher, 120 000 hommes, et l'autre commandé par Wellington, 110 000 hommes, qui occupent la Belgique et qui sont là en tant qu'armée d'observation pendant que le reste de la coalition, prussiens, autrichiens et russes, sont en train de réunir leurs forces pour envahir la France à la mi-juillet. This is probably one of the most famous plains in Europe. There, in the middle of wheat fields, a symbol, a lion sitting on top of a mound. We're in Waterloo. Waterloo, the famous Battle of 1815, which will see the Emperor Napoleon defeated by the British troops of Wellington. A single battlefield that stretches over a little more than 2,500 hectares. From a higher perspective, we easily realize that the region has always been characterized by its strategic position. One rather nice detail is that today, there are more than 100 entities named Waterloo around the world. An example, among many, comes from the USA. En Indiana, le maire m'a expliqué que l'origine du nom venait du fait qu'il y avait un cheval qui s'appelait Lou et qu'on conduisait tous les jours à la rivière à cet endroit-là, et donc d'où Waterloo. Quand je lui ai expliqué que le propriétaire du cheval est un ancien combattant de la bataille de Waterloo, j'ai dû refaire le livre d'histoire local. On a reçu des courriers, effectivement, du Québec et d'ailleurs aussi, demandant pourquoi notre ville portait le même nom que la leur, alors que c'est plutôt le contraire. Il y a un Waterloo au Sierra Leone qui est vraiment devenu un champ de bataille dans l'histoire du Sierra Leone. Et donc, les gens ignorent que c'est notre Waterloo qui était vraiment la bataille et pas la leur. Protected by a unique conservation act, the battlefield, which still has impressive remains, put an end once and for all to the exercised sole rule of Napoleon Bonaparte. The day after the fighting, it became a place for memorial tourism.
ici que le tourisme organisé a été inventé. Dès le juin 1815, on organisait des transports par mécôte au départ de la gare de Stans pour arriver ici. Donc, dès 1815, les tsars, les grands rois sont venus. Et puis, au XXe siècle, moi, j'ai accueilli ici l'empereur du Japon, la reine d'Angleterre, la reine-mère d'Angleterre, Barbara Bush. Donc, chaque fois qu'il y a une visite d'État en Belgique, bien souvent, les ambassades emmènent ici leur souverain. Over the years, industrialization has shaped the landscape of the northern countries. It left behind a unique cultural, technical, and monumental heritage. This heritage has become a fundamental component of the environment of this region. Wallonia is a deeply marked land which has led it to become the second industrial world power in the 19th century. Its history is inseparable from that of coal, whose operation, much older, was a driving force for development. La Wallonie était un véritable Koweït charbonnier. Depuis le XIIIe siècle, certainement, le charbon joue un rôle croissant dans l'économie locale puis régionale. Dès le XVIe, XVIIe siècle, le charbon est utilisé dans l'industrie. Le charbon est aussi à la base de la révolution industrielle, et d'un point de vue technique et d'un point de vue énergétique. Et c'est le charbon qui va entraîner finalement le bouleversement des sociétés au XIXe et au XXe siècle, à l'origine de l'urbanisation, du développement des activités de production, de transport et de consommation. Donc le charbon est à la base de tout. La Wallonie est née du charbon, mais nos sociétés sont nées également du charbon. Until recently, the most enlightened opinion still was not aware of the historical value of what would later become the vestiges of the past. Under technological and economic turmoil, companies born of the Industrial Revolution were going to undergo radical changes or even disappear. Today, the ancient collieries have gained outstanding and universal value. Their importance overcomes boundaries. It's become the heritage for present and future generations. It's known as our common history. L'industrie a fait les beaux jours de la Wallonie. Alors on a aujourd'hui des sites qui ne sont plus en activité, mais qui illustrent évidemment le souvenir de tout ce travail. Les sites miniers, bien entendu, mais aussi on a le canal du Centre avec ses ascenseurs hydrauliques, le canal de Ronquière aussi. On a un patrimoine qui fonctionne encore pour les ascenseurs, mais qui, au niveau minier, bien sûr, s'adresse à la mémoire et rappelle aussi que derrière ce patrimoine industriel, il y avait surtout des hommes et des femmes, la souffrance de ceux qui ont fait le développement économique wallon. Other industrial works are listed as UNESCO World Heritage Sites. Four boats lifts of the Canal du Centre and their locks. Of the eight hydraulic boat lifts built at that time and in the early 20th century, there are the only ones in the world remaining in their original working condition. Pour les ascenseurs, évidemment, ce sont des ouvrages tout à fait différents des charbonnages. La technicité nous permet en tout cas de trouver le critère d'authenticité qui nous est cher, puisque le fonctionnement technologique se fait comme à l'état d'origine. En ce qui concerne l'intégrité, forme, fonction, elle n'a pas changé, puisque le but, c'est toujours de faire passer des bateaux. Et donc, l'intégrité est également respectée. Le but du canal et des ascenseurs, c'est de relier deux bassins, le bassin de la Meuse et le bassin de l'Escaut, et essentiellement, dans le contexte de la fin du XIXe siècle,
à cause des besoins de l'industrie charbonnière, puisqu'on a d'importants bassins miniers ici et qu'on a des débouchés importants, entre autres sur Bruxelles, et qu'il fallait pouvoir déplacer toute cette marchandise. La difficulté face à laquelle on se trouvait, c'est qu'on doit franchir ici ce qu'on appelle une crête de partage entre les deux vallées, celle de la Meuse et celle de l'Escaut. Ça veut dire qu'il faut franchir une crête sur laquelle on a très peu d'alimentation en eau, et qui plus est avec des dénivelés relativement importants, puisqu'on a de l'ordre de 70 mètres à franchir sur environ 5-6 km ici dans la région. Et les méthodes habituelles pour franchir des dénivelés par des canaux, ce sont des écluses qui sont très consommatrices d'eau. Et donc l'alternative qu'on a ici, à savoir les ascenseurs à bateaux, consomme beaucoup, beaucoup moins d'eau. Et ça s'est donc imposé. C'est une technique qui a été inventée en Angleterre d'abord et qui a été implantée ici, entre autres par l'entreprise Cochrane. Wallonia is also distinguished by its impressive religious heritage. We are in Mons. Here, the story is told at Saint-Waudru Collegiate Church, built by its canonesses. This is one of the most successful examples of Brabant Gothic from the 15th century. Sa caractéristique principale, quand on y entre, c'est le côté aérien, c'est l'une des caractéristiques du gothique brabançon, et Saint-Waudru de l'intérieur, c'est le regard porté vers le haut. Pas d'horizontale qui coupe les verticales, c'est vraiment exceptionnel, alors que de l'extérieur, on a l'impression d'entrer dans un bâtiment qui est renfermé sur lui-même. Saint-Waudru, c'est aussi un bâtiment dans lequel on a osé l'art contemporain de l'époque. Les chanoinesses n'ont jamais hésité dans leur église gothique à intégrer des éléments d'un autre style, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un patrimoine tout à fait exceptionnel, avec les œuvres Renaissance de Jacques Dubreuc, avec du patrimoine nettement plus moderne, déjà du 21e siècle, dans la collégiale. Donc c'est une église qui vit, c'est une église qui ose, comme les Chanoines sont osés, parce que demander à Jacques Dubreuc un jubé Renaissance dans une église gothique, ben, il fallait un certain culot pour oser le faire. C'était vraiment un coup de poing dans l'œil pour l'époque, parce que c'était du moderne. The first capital of France, Tournai is one of the oldest cities in Belgium. Its story is hectic and many of its buildings, civil, military and religious, show its brilliance and its rich past. In 2000 years, Clovis, Charles V, and Louis XIV have passed this way in the city of Tournai. In the historic heart of the city, rising towards the sky, are the Belfry and the Notre Dame Cathedral, two monuments listed as UNESCO World Heritage Sites. En dessous de cette cathédrale, il y a 13 états archéologiques. Il y a 7 églises qui sommeillent. On remonte au 2e ou 3e siècle. Ça vient vraiment à la genèse de l'Occident chrétien. On a passé ici toutes les grandes étapes de l'histoire mérovingienne, carolingienne. Et puis la cathédrale elle-même, c'est véritablement une machine à remonter le temps. Et aujourd'hui, bien, la cathédrale que vous pouvez découvrir ici, qui est en plein chantier, c'est aussi un modèle sur le plan de l'architecture. C'est vrai que c'est la transition entre le roman et le gothique, et donc elle présente énormément d'intérêt pour tous les amoureux de l'art. As an architectural jewel, Tournai Cathedral is one of the most astonishing Middle Age heritages in the West. Thanks to its impressive dimensions, 130 meters long and 66 meters wide, its harmonious alliance of the Roman and Gothic styles and its bold architecture, the Tournai Cathedral is a reference among the Western religious buildings. Moreover, archaeological excavations already done in the cathedral contain innumerable secrets. But although this five-bell vessel is the biggest monument in the city, unfortunately, it suffers from the effects of time. The Vieille Dame has proven unstable and needs restoration works. C'est un peu le chantier du siècle, hein. Ici, c'est quand même des budgets considérables. Ce sera pratiquement 60 millions quand tout sera terminé. C'est vraiment toute une mobilisation également d'une ville, mais également d'une région autour de cette cathédrale millénaire. Donc c'est vrai que c'est un chantier extrêmement important. When we speak of religious heritage, it's naturally relevant to make a detour to the Principality of Liège. Liège, with Saint-Lambert Square at its heart, has 200,000 inhabitants
and has been considered an urban blight for a while. Actually, a parking lot was supposed to be built here, meaning the remains had to be demolished. And yet, this square is a millennium historic place. It is exactly where the city grew up. Nous sommes ici sur le lieu du martyr de Saint-Lambert, qui est mort au début du 8e siècle, dans sa villa, sa résidence secondaire. C'est ici qu'il meurt et il est ramené à Maastricht avant de revenir. Son corps est rapatrié à Liège, où les miracles se produisent. Et ces miracles sont fondamentaux, car c'est vraiment le départ de la ville de Liège. Les pèlerins affluent, la ville se développe, on construit un ensemble d'édifices religieux, dont la dernière, la cathédrale Saint-Lambert, détruite à la Révolution, qui laisse place maintenant à l'archéoforum de Liège. Il est probable que si l'assassinat politique de Saint-Lambert n'avait pas eu lieu au début du 8e siècle, Liège ne serait probablement jamais véritablement sorti de l'ombre. Have you already visited the cathedral? No. That's normal. It hasn't existed for years. Yet it was the principality's prize jewel. Because of the two choruses, the three naves, the circuit of the apsidal and collateral chapels, and 135-meter-high arrow, Notre-Dame et Saint-Lambert Cathedral was the biggest vessel in the Western world in the Middle Ages. Up to 4,000 people could gather inside. It was destroyed after the French Revolution, as the relationships between the Liège inhabitants and their bishops had been getting more and more complicated for over a century. As an architectural core, the Prince's Palace in front of the cathedral has a fabulous history too. Built in the 12th century, the Belfry of Tournai is the oldest in Belgium. Like other belfries in the Walloon region, it's listed as a UNESCO World Heritage Site. Les priorités pour l'UNESCO sont avant tout de pérenniser l'action qui est menée à partir du moment où le bien est classé et repris, inscrit sur la liste du patrimoine mondial UNESCO, de façon à ce qu'il soit transmissible aux générations futures. Transmissible avec les qualités de départ, c'est-à-dire les qualités d'authenticité, d'intégrité, mais avec également la volonté d'une appropriation citoyenne, avec une participation justement de la population. Chaque personne, je dirais, concernée par le site devient lui-même un ambassadeur pour l'UNESCO du bien représenté. In Belgium and the north of France, the belfry is considered as the symbol of communal freedoms, as well as the Mons belfry. Le beffroi est d'abord le symbole de la cité, mais il est aussi l'œil de Moscou de la défense, puisque c'est de là que jour et nuit un homme va contrôler notamment les attaques, les incendies dans la ville. C'est aussi lui qui va donner le rythme de la vie dans la cité. Par exemple, lors de grandes fêtes comme la Ducasse de Mons, on va évidemment jouer l'air de la Ducasse, du doudou, de là en haut. Évidemment, il va également donner l'heure, puisqu'il est muni d'un cadran. Et donc, c'est lui qui va aussi réguler, quelque part, les ouvertures et les fermetures des portes de la cité. Donc, il était évidemment hyper important de reconstruire cette tour, rapidement. C'est ce qui va être fait à Mons entre 1661 et, grosso modo, 1671. Puis, il y a quelques finitions qui vont être faites par la suite. Unlike the dungeon or the bell, the belfry was the symbol of the burgomaster's power. Throughout the centuries, it became the symbol of power and prosperity of the municipality. La Wallonie est fière de sa nature. Souvent, d'ailleurs, les gens disent qu'ils viennent d'abord pour le capital naturel, Wallon. Ce sont la forêt, un tiers du territoire. Ce sont les campagnes qui sont riantes et dynamiques, des petites villes accueillantes. Et cette nature, évidemment, on la vit différemment qu'autrefois. Ce n'est pas seulement la promenade, ce n'est pas seulement la photographie, c'est aujourd'hui des loisirs actifs. In the east of Belgium, even including Germany, there's a unique green space in the world, the Haute Fagne, where together climate, geology and human interventions have shaped an exceptional diversity of flora and fauna.
Today, this region is listed on the UNESCO World Heritage Sites, and it's also a protected area. The amazing landscape inspired photographers and filmmakers to whom pictures were the best way of sharing their love for this hostile and fascinating nature. Je viens sur Mont d'Olyphant depuis l'âge de 4, 5, 6 ans. Et en fait, j'ai photographié les fans à partir de l'âge de 8 ans déjà. Je n'avais pas de grands objectifs à l'époque. C'était des jumelles. Je photographiais à travers les jumelles. Et c'est pour ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir faire un film sur ma région. J'ai beaucoup fait de films ailleurs. Mais ici, c'est devant ma porte. Et alors, j'ai toujours dit ce qui est l'immensité dans des grands paysages des États-Unis ou du Canada ou de l'Alaska. Mais ici, on a la même chose, mais en profondeur. Parce que c'est vrai, c'est petit, c'est quelques milliers d'hectares. Mais si on le connaît assez bien, on peut vraiment aller très profond. Et c'était ça un peu le but quand j'ai fait ce film. Je sais qu'on fait beaucoup de films nature, en pleine nature, ou sauvage, on appelle ça sauvage, où l'homme ne s'y trouve pas. Et ça veut dire qu'on la met la nature sous une cloche de fromage. Et puis on dit de l'extérieur, waouh, c'est merveilleux, c'est sauvage, c'est beau. Mais ici, ce n'est pas une nature sauvage dans le sens de la cloche de fromage. C'est une nature que l'homme a façonnée durant des siècles. Et c'est pour ça que j'étais tellement content de faire ça, de faire ce film. Parce que ça pouvait montrer que l'homme peut rétablir cette nature sauvage ou peut la stimuler. Elle n'est plus sous cloche de fromage. Ou bien l'homme fait partie de la cloche de fromage et dit voilà, maintenant je la respecte. In the north of Luxembourg province, the municipality of Durgouy borders the provinces of Liège and Namur. The municipality covers four natural regions of Belgium: Condroz, Famenne, Calestienne, and Ardennes. The old city is crossed by the Ourthe River and is also perfectly integrated in the surrounding landscape. Walking or riding around the medieval alleys allows you to grasp the charm. Un grand bonjour de Durgouy, la plus petite ville du monde, construite sur un terrain de 2 hectares, dont le périmètre est toujours à l'heure actuelle de 550 mètres. Et c'est aussi la plus petite ville par son nombre d'habitants, puisque nous sommes une population de plus ou moins 400 personnes, que l'on appelle respectivement les Durgouysiens et les Durgouysiennes. Les touristes proviennent en règle générale de diverses régions, notamment le nord de la Belgique, mais aussi de la Hollande, tout comme des États-Unis, de France, d'Italie, d'Espagnol et même des Japonais. En fait, ils découvrent plutôt l'Europe sur une petite dizaine de jours. Et les trois villes les plus importantes qui sont visitées en Belgique se trouvent être Durgouy, Bruges et Bruxelles. Bien sûr, on est dans un cadre de verdure, mais on a aussi ce fameux slogan de « plus petite ville du monde » et tout le monde rêve de découvrir la plus petite ville du monde. From the 12th century, Durgouy has been in charge of the defense of the territory of the Luxembourg Count against the neighbors and rivals, the Episcopal Principality of Liège and the Abbey Principality of Stavelot-Malmedy. That's why there's a superbly well-preserved castle. In addition to the material heritage, Wallonia is also and above all a traditional and folkloric region. Mons is the capital of the province of Hainaut, a city whose belfry is listed on the UNESCO World Heritage Site, but not only. Indeed, on November 25, 2005, UNESCO proclaimed the Doudou of Mons masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Les origines remontent à la moitié du XIVe siècle, où là, la région est frappée par une terrible épidémie de peste. Et à l'époque, dans l'espoir d'éradiquer cette épidémie de peste, les autorités civiles et religieuses décident de processionner les reliques de Sainte Vaudru, la sainte patronne de Mons, de la cité. En 1380, créée à Mons, la confrérie Dieu et Monseigneur Saint-Georges, qui va participer un peu plus tard à la procession, qu'on appelle maintenant procession du quart d'or. Et cette confrérie, notamment à l'intérieur de la procession, reproduisait un jeu qui opposait un chevalier, Saint-Georges, à une créature monstrueuse, un monstre, à savoir le dragon. Les Wallonnes et les Wallons sont des gens travailleurs courageux, mais ils aiment aussi la fête, la bonne humeur, la Ducasse,
les carnavals, les tarés, les grands feux plus populaires, et aussi les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Bref, un folklore qui s'éclate partout de manière extrêmement diversifiée, mais qui témoigne finalement de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens accueillants, qui adorent la rencontre de l'autre et qui veulent simplement, souvent, signifier que l'amitié est la première des vertus.